Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futés. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titan. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunderhawk lance le jour retourne à la baie. Pas avant d'avoir réglé nos comptes avec les orques. Vous êtes sûr, capitaine? Le codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre. Aujourd'hui, on joue à Warhammer 40k Space Marines. Bon, écoutez, c'est un petit test. On va laisser ensemble une petite découverte sur la chaîne d'un jeu qui est sorti il y a fort longtemps maintenant. Sorti sur un peu toutes les machines. Il y en a, on est sur PC, en 4K, très bonne qualité. On découpe. Ah, ça déboîte, hein. Je peux faire exploser ça, moi. Pas d'intérêt ici, ah bah si, on manque un. Ah d'accord. Alors je connais mal le jeu. Ça, ça régénère la santé, c'est bien. J'ai pas remarqué quand il remet de la vie, ouais, comme ça, il remet des balles. Des souvenirs sur le MMO de Warhammer, quel plaisir. Yeah.
Ah d'accord, ça c'est pratique. C'est dommage que ce soit pas automatique. Je fais attention, mais c'est pas évident. Voilà, oh et ça va. On va tourner tout là. Bien vu. Ah, ça va être beau, hein. Bon, ça va être un petit épisode de découverte. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Parce que je pense que ça doit être un let's play très sympa à faire ce jeu. J'attends deux avec impatience déjà, parce qu'il a l'air bien plus beau. Certainement un peu plus jouable, même si celui-ci l'est déjà. Hein. Un bon défouloir. Capitaine Titus, répondez. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Alors, l'objectif de mission, rejoindre l'escouade. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Ah, et les voix sont cool en plus. C'est chouette. Regardez rapidement les options. Pas les options graphiques. Par défaut annulé. Toc toc. De toute façon, les options graphiques étaient déjà faites logiquement. J'avais fait la dernière fois. Je fais ça pour l'été, ça va changer un petit peu. Tester des petits jeux, c'est toujours très sympa. Mais c'est terrible. On se fait décimer quoi. Ah, il n'y a pas d'orques là. Où sont-ils? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Accès autorisé. Que l'empereur soit avec vous, Sainte Marie. Ah bah tiens, oui. Plaisir. Bolter débloqué. Ce bolter modèle Godwin 998 est le fusil d'assaut de prédilection du Space Marine. Il tire des munitions explosives autopropulsées. RT pour tirer, RB pour recharger. Là, je peux changer d'arme. Oh. Okay. Ah c'est où? Ah oui, si ça marche bien. Ça marche bien.
On passe par là. T'es passé en haut là, ils vont se pointer. Allez où ? Tu m'as surpris. Capitaine ! Détruisez-les ! Ils ne peuvent pas s'échapper ! C'est une mission. Le codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Leandros. Allez, Andros. De la fin. Il y a des munitions là-bas, on va aller chercher. Bon, effectivement, ça défouraille bien la petite bitrate là. Sidonus a capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Appuyez pour prendre le journal audio. Message personnel. Garde Thomas Alexander. C'est l'hiver à la maison. Pas de neige ici en tout cas. On fait route vers un monde forge attaqué par les orques. Plus haut. Un massacre et nous sommes les seuls gardes. Continuez à tirer! Continuez! Il ne sera là que dans 2 semaines. La bataille va être rude. Oui.
Monseigneur, vous nous avez sauvés. Ah, c'est vrai. Debout, garde. Vous vous êtes sauvés vous-même. Vous croyez mort. Sans le lieutenant, nous le serions, Monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant ? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonus, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Par ici, mes seigneurs. Allez au niveau supérieur et traversez la place. Le bunker est plus loin. Ok, j'ai pas eu le temps de récupérer mes munitions. C'est ça qui est dommage. Mais c'est pas grave. Allez. Remarquable. Quelques centaines contre un million d'orques. Et ils résistent. Quoi ? Le devoir ne cesse que dans la mort. Lâchez-moi ! Mes jambes ! Je sens plus mes jambes ! J'aurais vu un Space Marine avant de mourir. Empereur Dieu, protégez ceux qui se battent en votre nom. Les orques. Capitaine, je suis en position près d'un monument en ruine et des rangs de la garde. Ok, on arrive. Les quotas doivent être atteints. Malgré les intrusions... C'est superbe ça. La délinquance est un arbre de machine. Le voilà. Oh, ça y est, en train de... C'est en train de foyer, faut que j'intervienne. Vite. Sergent, je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. J'ai peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu. Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore. Échanger le coup de combat contre l'épée tronçonneuse. Ah, j'échange. Épée tronçonneuse débloquée. Grâce à la puissance dévastatrice et sa vitesse est étonnante, l'épée tronçonneuse Eltis, ouais voilà, la dent de l'enfer, quoi. MK11 est l'arme de combat rapprochée de prédilection des espèces marines. Pour frapper, pour sonner. Mais où ? Oh, ça découpe. Carrément chouette. C'est très sympa à jouer par contre. C'est le défouloir quoi. On découpe de l'orque. Faites le ménage un peu là. Le ménage pardon. C'est un délire, je pense. Visez ce squeak.
Ouais, les squigs là, il va falloir s'en occuper. Ménage ici. On descend. Il faut que je garde des munitions avec lui parce que ça va pas être drôle sinon. C'est terrible. Ou pas? Oh mais qu'est-ce qui arrive derrière lui? J'essayais de tirer avec celui qui avait plus de munitions, ça risque pas de le faire. Où est votre J'ai vu des munitions tout à l'heure. À l'intérieur, mais c'est verrouillé. Je pense qu'ils vont nous laisser passer. Garde impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. Bah oui, oh. Qu'est-ce qui passe? Space Marines. Pas de munitions. Des nouvelles des éclaireurs. Une autre horde de peau verte va bientôt arriver du sud. Maudit Grey Chin a tranché la gorge de Saul il y a deux jours. Les éclaireurs repoussent que le secteur 31 a été entièrement bombardé. Pas de survivants. Juste des corps. Partout. Ah, c'est vraiment très sympa, hein. Franchement. On voit pas le temps passer. Tenez la ligne. C'est un vieux jeu, mais. Oui, lieutenant. Il remplit son office. Soit l'empereur. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'autres tombes.
pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils ? Deux. Bon sang, j'en ai envoyé 10. Ce satané canon. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferai mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. Et où est-ce qu'ils sortent tous ? Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Un jeu ma foi très sympathique, hein. Super agréable à jouer. C'est très très plaisant. Ah, il mériterait peut-être un petit let's play un jour quand j'aurai le temps. Ça serait intéressant. Allez, je vous dis à bientôt. Une nouvelle arme. Scanner génétique terminé. Anemphus à Sartène. Saut pureté. Accès autorisé. Fureur débloquée. Je peux rentrer en fureur. Vous dégagez désormais. Vous gagnez désormais la fureur à chaque fois que vous infligez des dégâts à un ennemi. Une fois la jauge de fureur pleine, L plus R pour passer en mode fureur. Toutes vos attaques au corps à corps sont améliorées et vous regagnez de la santé. Que savez-vous des titans de cette planète ? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Mais c'était il y a 2 semaines, et nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée et une bonne nuit. A bientôt. Il plaît bien ce jeu. Il plaît bien. C'est lui là comme ça qui envoie des grosses déflagrations.